Ma première rencontre avec les oiseaux, elle n'était pas du tout dans les livres ou par un écran d'ordinateur. Moi, j'habitais au pied de la montagne, je les voyais. Donc, ce qui m'attirait, c'était ce vol. Pour moi, je trouvais ça magique de voir ces oiseaux qui tournaient au-dessus de la montagne sans faire visiblement d'efforts. Et j'avais envie de comprendre ces animaux. Alors après, évidemment, j'ai commencé à fouiller un peu les livres, la littérature. Mais quand même, ce qui me passionnait, c'était de les voir, c'était de les trouver, c'était de les chercher et de découvrir petit à petit un peu leur mode de vie. C'est ça qui m'intéressait, moi. Moi, j'ai passé mon enfance à courir dans les montagnes pour découvrir ces oiseaux, puisque dès mon jeune âge, c'était ma passion. Et que j'avais bien repéré qu'ils tournaient au-dessus de ces montagnes et je voulais absolument voir où ils vivaient, où ils nichaient. Et j'ai mis longtemps, longtemps avant de trouver mes premiers nids. Donc j'ai parcouru longtemps la montagne avant de découvrir ces premiers oiseaux. C'est vrai que j'ai toujours eu un rapport à la montagne, intense et aussi loin que remonte ma mémoire. Moi, le déclic s'est fait assez tôt, dans le sens où on m'a donné mes premiers oiseaux, enfin apporté les premiers oiseaux qui étaient tombés du nid quand j'avais une douzaine d'années. Bon, à l'époque, voilà, j'avais pas du tout de connaissances, donc on m'a dit qu'il faut les nourrir, c'était des petites pies avec du pain et du lait, ce qui est absolument la dernière chose à faire, donc elles ont tenu 4 jours, puis elles sont mortes. Et j'avoue qu'à cet âge-là, ça m'a un peu traumatisé. Je me suis dit, mais je ne veux pas faire ça, je veux passer ma vie à sauver des oiseaux, je ne veux pas les faire mourir. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment c'est devenu dans ma tête quelque chose d'important. Et j'ai consacré vraiment mon énergie et mon temps à comprendre. Et puis, quand vous habitez dans un village, les gens, ils savent assez vite qu'il y a un enfant là qui se passionne pour les oiseaux. Donc dès qu'il trouvait quelque chose, je crois qu'il me l'amenait chez moi. C'était un long parcours qui a maturé, je dirais, sur une dizaine d'années. Mais entre mes 12 et mes 20 ans, grosso modo, ça a été mon apprentissage. Et puis après les oiseaux, après le parc, ça a été un cheminement pour moi assez naturel, en fait. Shere Khan, je dirais que c'est certainement la rencontre en termes d'oiseaux de ma vie, dans le sens où c'est un oiseau qui a vraiment fait basculer mon métier et ma pratique de la fauconnerie, où je suis passé d'un fauconnier basique traditionnel qui travaille dans son parc, qui fait ses spectacles, à vraiment du travail dans un environnement naturel, principalement d'ailleurs de montagne. Donc là, c'est vraiment cet oiseau-là qui a fait le déclic. Ça s'est fait un peu par hasard, parce que ça faisait 10 ans que je faisais de la fauconnerie professionnelle. Et je me rendais bien compte qu'il y avait des oiseaux qui restaient chez nous dans les parcs, et pour des raisons X ou Y, qui n'avaient pas une vilaine vie, qui étaient tranquillement dans leur volière, mais qui ne servaient pas, soit parce qu'ils étaient agressifs, soit parce qu'ils ne s'entendaient pas avec un partenaire. Et mon idée au départ, c'était de me dire, donnons une deuxième chance à ces oiseaux et essayons de leur faire vivre des jolis vols, au moins qu'ils connaissent une fois les vols en pleine nature, en pleine montagne. Allez, Nelson, hop! Allez! Allez, Nelson, hop! Donc j'ai commencé à racheter quelques oiseaux en mettant comme critère des oiseaux adultes, âgés, qui n'étaient jamais sortis de leur cage. Chacun rentrait donc parfaitement dans ce topo-là. Et puis je me suis aperçu au fil des heures que j'ai passées avec lui dans la montagne, d'abord à lui courir après, puis enfin à voler avec lui, que ce travail-là ouvrait des portes incroyables sur des programmes de conservation, parce qu'on s'aperçoit qu'un oiseau, dès qu'il sait voler, bah, il a envie de chasser, il a envie de pêcher, il retrouve un instinct sauvage. Et donc, ce qui était au départ, je dirais, un petit cadeau fait à quelques oiseaux en captivité, s'avère à terme être une méthode qui peut s'appliquer à l'ensemble des oiseaux nés en captivité, qui nous permettra peut-être un jour de les remettre dans la nature. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment passionné pour la chose et j'ai vraiment travaillé des heures et des jours en montagne pour comprendre le vol, pour comprendre la mécanique du vol, la mécanique d'apprentissage et arriver à leur apprendre à voler. Puisqu'aussi bizarre que ça puisse paraître, ces oiseaux qui sont nés en captivité ne savent pas voler.
En montagne, vous le voyez d'ailleurs aujourd'hui, on a de l'air qui circule autour de nous. L'aérologie, elle est compliquée. Il y a des thermiques, il y a des vents de pente, il y a de la brise, il y a plein de choses. Donc, il faut qu'ils apprennent à jouer avec tout ça. Dans la nature, c'est les parents qui vont leur montrer ceci, qui vont faire leur apprentissage. Ben, nous, il a fallu que moi, je mette au point une méthode pour qu'ils arrivent à me suivre. Mais à partir de ce moment-là, ben, on a pu mettre en place toutes ces techniques d'apprentissage du vol qui aujourd'hui donnent des résultats absolument magnifiques. Allez, viens. Ah ah. Non, ça, c'est l'hiver qu'on fait du ski, c'est pas l'été. Chou! J'habite en montagne, j'ai pratiqué quasiment tous les sports de montagne, excepté le parapente, parce que je me sentais, bon, j'ai le vertige, je me sentais pas très à l'aise en l'air, mais je me suis rendu compte que si je voulais vraiment apprendre à voler avec mes oiseaux, bah, il fallait que je commence moi-même par comprendre ce qui se passait dans une masse d'air. Donc le seul moyen aujourd'hui qu'on ait vraiment d'appréhender une masse d'air, bah, c'est d'aller dedans avec des parapentes. Donc j'ai contacté Laurent Cochard, donc à Morzine, en lui disant, voilà, il faut que vous m'appreniez à voler, parce que moi, je vais apprendre à voler à des aigles. Donc je pense qu'il m'a pris un peu pour un fou. Disons que... Oh, mes copains qui visolent par rapport, c'est un sport de vieux. Ah ouais. Pour en faire plus souvent. Et un truc, tu regardes où tu veux aller. Ouais, ok. C'est bon, là, c'est... Oui, j'espère. Parce que, putain, hein... Bon, je descends un peu. C'est quand tu veux. Ah, putain... Tire pas sur tes avants. Voilà, regarde où tu vas, regarde. Regarde où tu vas, va avec ta voile, doucement, doucement, nom de Dieu. Arrête-toi. Stop. Ah, c'est pas vrai. C'était un matin, je me souviens, à 9h le matin, un type m'appelle pour me demander de lui apprendre à voler à lui et à un aigle. Donc je me suis dit déjà à 9h le matin, je dis, ça n'a pas autre chose à me demander qu'un truc comme ça, c'est quand même... incroyable quoi, j'ai dit non mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Il m'a dit mais c'est très très sérieux, c'est un projet sérieux, je suis fauconnier et je souhaite vraiment apprendre à voler ainsi qu'à mon aigle, puisque c'est un aigle de captivité qui est resté 12 ans en captivité, qui a jamais volé. Donc je me suis dit bon, ok, bon, on va essayer, c'est un petit peu l'inverse de ce qui se fait. Donc on s'est donné rendez-vous le lendemain et puis après on a discuté de ce projet qui paraissait un peu incroyable, mais en fait, qui a été réalisé en un an et demi, deux ans, quoi. Tranquille, voilà, tranquille, elle arrive. Regarde devant toi, accélère ta foulée. Allez, cours, mon gars, cours. Très bien. Parfait, elle a bien bossé, hein. C'est à partir du moment où j'ai commencé à comprendre la difficulté à voler en parapente que j'ai pu adapter mes méthodes. Donc là, j'ai commencé à faire des balades en montagne, suitées, pour leur apprendre simplement à rester déjà dans un environnement, je dirais, le plus proche du sol, parce que ce qu'il est capable de faire au sol, il pourra le faire en l'air, mais on ne peut pas débuter tout de suite par le plus difficile. Donc c'est un long apprentissage qui se termine, évidemment, quand tout va bien, parce que tous les oiseaux ne sont pas non plus capables d'aller au sommet de cet apprentissage, qui se termine par des vols en parapente, où là, vraiment, l'oiseau vole comme un oiseau sauvage. Doucement. Allez, viens.
rappelle, on a dit ouais, on a fait un premier vol, je crois qu'il avait duré 2 minutes 30. Mais c'est la première fois où on réussissait à décoller, à voir l'aigle qui restait autour de nous, qui appontait une fois sous le parapente et qu'on réussissait à poser avec lui. Et ça, c'était au bout de 9 mois de travail. Donc oui, là, c'est un souvenir, je crois qu'on ne l'oubliera jamais, que ce soit moi ou le pilote, parce que c'était l'aboutissement. Puis bon, aujourd'hui, quand on voit où on est allé après, bien sûr qu'on relativise, mais j'oublierai jamais l'émotion qu'on a ressentie. Voler pour la première fois avec un aigle, ça, c'était magique. Ouais. Jacques m'avait pas prévenu, hein. Lui il avait un grand de fauconnier hein, pour que l'aigle aponte sur son grand. Et la première fois que l'aigle, après un décollage, nous a approchés, il a essayé d'aponter le gant de Jacques Olivier. Seulement, bon, il s'est un peu mal réglé sur l'arrivée, puis il a commencé à aponter sur mon épaule. Donc j'ai senti les prémices de ses serres. Et je peux vous dire que j'ai engueulé Jacques en lui disant « Mais moi, tu me fournis un habit en cuir, quoi. » Parce que si à chaque fois, on n'est pas sûr de savoir où il apponte et où il veut poser ses serres, on risque d'avoir quelques petits problèmes, quoi. Et j'ai besoin de mes épaules, moi, pour travailler, quoi. C'est des animaux évidemment impressionnants par leur taille, mais par leur puissance. Ces oiseaux, c'est entre 180 et 250 kg de pression au centimètre carré. Donc vraiment des animaux qui sont faits dans la nature pour tuer. Donc c'est vrai qu'on ne joue pas avec un aigle comme on pourrait le faire avec un autre rapace. Mais moi j'aime bien ce rapport justement de respect qu'il y a entre eux et nous. Encore une fois, j'aime bien ce mot respect. Comme je dis, il faut respecter notre environnement, notre montagne, toujours être humble par rapport à eux, toujours être humble par rapport aux aigles, parce que voilà, ils ont les moyens, s'ils le veulent, de pouvoir faire mal. Ils le font pas, mais à nous de trouver, voilà, de pas pousser la limite trop loin. Allez, Lol, hop. Oh là là, c'est bon de l'avoir comme ça. Allez, Lol. En fait, ici, on s'est bien adapté parce que les vallées étaient assez fermées et en fait, quand on perdait Shere Khan, il n'était pas parti très très loin. Et c'était assez verrouillé dans plusieurs petites vallées, donc on travaillait bien dans un axe de vallée pour que si on le récupérait pas, par exemple, on le retrouvait facilement pour refaire un vol avec lui. Mais en ce qui concerne le vol pur, un aigle ou un oiseau, c'est la même chose. En fait, la différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont la géométrie variable, c'est-à-dire s'ils veulent avancer dans du vent qui est devenu trop fort, nous on va subir, on va moins avancer, donc pour aller le chercher, c'est beaucoup plus compliqué. Lui, il a juste à rentrer un peu les ailes et il atteint des vitesses qui vont jusqu'à 100 km/h. Donc nous, on s'arrête à peu près à 50. Donc il va deux fois plus vite que nous. Il est, je sais pas, 50 fois plus léger que nous. Donc il n'a pas du tout la même charge à l'air. Donc pour se caler en l'air, c'était vraiment compliqué. Hop, 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 allez, allez, hop. Je dis toujours que quand on est en montagne, on n'est pas chez nous, on est chez eux, quoi. Là, on se rend compte que la nature, elle les a vraiment fait pour parcourir ces espaces-là et que nous, elle ne nous a pas fait pour parcourir ces espaces-là. Donc, ça remet bien les choses en place. Et je dis toujours, moi, je le remercie à chaque fois qu'on fait un vol en montagne de rester avec moi parce que pour lui, c'est tellement facile d'aller d'une crête à l'autre, d'une vallée à l'autre. Et pour nous, c'est tellement difficile. Donc, ça remet les choses en place, ouais. Ce que je retiens avec Shere Khan, c'est d'avoir vu un aigle à moins de 30 cm de moi et longtemps, et pendant presque 40 minutes de vol, notamment quand on a volé du Mont Blanc, quoi. Donc ça, c'est des images qui restent et qui resteront. Moi, j'adore revenir à cet endroit-là parce que c'est pour moi un des plus beaux panoramas qu'il y ait. On est au sommet de l'Aiguille du Midi, on domine les trois Monts Blancs, ce qu'on appelle le Mont Blanc, le Taku et le Maudit. Et puis, c'est surtout un souvenir extraordinaire puisqu'il y a 5-6 ans maintenant, on a décollé de là-haut avec Shere Khan pour faire ce vol incroyable qui nous a amené jusqu'à Chamonix.
Au départ du projet, il y avait quand même, la communauté scientifique était quand même assez sceptique sur la capacité qu'on avait à vraiment refaire voler ces oiseaux adultes. Et il y a un moment, il s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire pour faire taire le scepticisme. C'est vrai qu'habitant à quelques kilomètres du Mont Blanc, je me suis dit, voilà, un truc, un défi qui est à la hauteur de mon enjeu, c'est-à-dire faire partir un aigle qui vit normalement au bord de la mer à 4800 mètres d'altitude, le faire voler pendant 50 minutes pour redescendre avec 4000 mètres de dénivelé, c'est vraiment un vol exceptionnel. Même en Himalaya, on n'a pas des dénivelés comme ça entre le sommet et le camp de base. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est le bon enjeu à faire, et c'est ce qui a donné l'idée. Alors après, entre l'idée de départ et la réalisation, il nous a fallu 1 an et demi, mais c'était ça mon idée, c'était de faire taire les sceptiques. On avait trois difficultés en fait. La première, c'était quand même aller au sommet du Mont Blanc pour des gens qui ne sont pas des alpinistes. Donc ça, c'était la première chose. Il fallait qu'on rentre dans cet enjeu-là. La deuxième chose, c'était préparer un oiseau à faire un vol qui était vraiment extraordinaire, c'est-à-dire jamais fait. On n'avait pas de repères, donc on partait complètement à l'inconnu. Et puis la troisième chose, une difficulté administrative. Le Mont Blanc, c'est un endroit qui est réglementé. On n'y va pas comme ça, on ne met pas un parapente au sommet comme ça. Donc il a fallu obtenir toutes les autorisations, monter un vrai dossier qui convainque de la crédibilité de notre démarche. Donc ça, ça nous a pris quand même presque 8 mois pour arriver à réunir ces trois aspects-là. Avant le jour J, quand on travaille comme ça sur de la haute montagne, on a un problème crucial qui est la météo. Et nous, on a dû reporter 5 fois quand même la tentative. C'est ce qui nous a contraint, j'allais dire au dernier moment, de changer un petit peu nos plans, de ne pas faire l'ascension nous à pied et de se faire poser juste en dessous pour être sûr de ne pas prendre le risque du créneau météo sur 2 jours, de pouvoir tout faire en une journée. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai appris. Une opération comme ça, c'est effectivement une grande image. Il faut réunir tous les petits morceaux pour arriver à avoir la peinture finale, quoi. C'est à la fois le plus beau jour de votre vie et puis un moment de stress parce que c'est tellement beau. Quand vous arrivez au sommet, c'est tellement beau que franchement, c'est surréaliste. Vous posez les pieds au sommet du Mont Blanc. Nous, on a une chance inouïe, c'est qu'il y avait neigé la veille énormément. Donc, ils avaient déconseillé l'ascension. On s'est retrouvé tout seul au sommet du Mont Blanc avec un petit moins 7 degrés, à peine 10 km/h de vent, des conditions mais qu'on n'a quasiment jamais, personne. Donc, on a eu ce cadeau d'avoir le Mont Blanc pour nous pendant presque 1 heure et demie. Et puis, en même temps, vous dites, voilà, j'ai emmené tout le monde ici. J'ai prévenu tout le monde. Maintenant, il va falloir que je descende avec mon aigle en bas. Et vous dites, mon Dieu, pourvu que ça se passe bien, quoi. Donc, ça, vous êtes partagé entre l'émotion de se dire je vais rien louper, vous vérifiez tous les détails, tous les trucs, et puis l'envie quand même de profiter de ce moment où vous dites je vais pas y remonter une deuxième fois avec mon aigle au sommet. Donc voilà, c'était ce mélange entre l'envie et la peur. On a une brise de, je dirais, entre 10 et 15 de vent de face, donc pour le moment les conditions sont idéales. C'est grand, quoi. On va essayer de survoler toutes ces pointes. Ouais. Si on peut passer à la verticale du Mont Maudit, là, c'est fabuleux, tu vois. Ouais. Plutôt, généralement, un petit peu sur la partie gauche pour être au vent. Ouais. Et puis après, je pense qu'on évitera de passer trop au-dessus du tacu, parce que ça fait vraiment un gros détour. Doucement. Doucement. Regarde, mon pote, t'es au sommet du Mont Blanc. T'es le premier aigle, à mon avis, captif, qui vient au sommet du Mont Blanc. Et même les sauvages, ils ne doivent pas passer très souvent ici. Alors.
toujours l'image d'un élastique avec l'aigle. Vous êtes l'élastique, il est tendu au maximum. Vous savez qu'à moindre erreur, vous le cassez et l'oiseau va partir. Et là, s'il part, je peux le perdre à 50 km. Hein. Surtout qu'à cette époque-là, on était en 2008, j'avais pas de système GPS, j'avais rien. L'oiseau, il était vraiment livré à lui-même. J'avais aucun moyen de le retrouver si je le perdais. Pas du tout à ce qu'on est en train de faire une première ou quoi que ce soit. Je pense à tenir mon oiseau, je lui parle sans arrêt. En plus, j'ai un problème, c'est qu'il fait que moins 7 degrés, mais avec la vitesse du vent, mes poussins, ils gèlent en l'air. Donc la nourriture que je lui donne en récompense, c'est des blocs de glace, je peux pas lui donner vraiment. Donc je suis obligé de les réchauffer un peu dans mes mains, de lui donner que des petits bouts. Donc j'ai vraiment plein de choses à gérer. En plus, le panorama, s'il est grandiose, il est quand même super impressionnant. Vous passez au-dessus de Sérac, monstrueux, vous arrivez au-dessus de l'aiguille du Midi. Là, vous avez le vol le plus difficile, là, tout ce qu'on appelle les aiguilles du Midi, là vous avez 1000 mètres de dénivelé sous vos pieds, vous longez la falaise avec une toute petite voile, vous vous sentez comme un insecte sur un pare-brise, donc vous avez plutôt envie que ça se termine et que ça se passe bien. Vous pensez pas du tout à ce que vous faites, vous pensez juste à se dire il faut que je garde l'oiseau, il faut qu'on tienne le cap. En fait, c'est trois grandes étapes dans le vol. On part à 4008, on vient jusqu'à l'aiguille du Midi, on a les 1000 premiers mètres là où vraiment on a peu d'air. Là, le vol est difficile pour l'oiseau. On n'a pas les repères qu'on a habituellement. Ensuite, 3008 jusqu'au-dessus de la mer de glace. Là, par contre, c'est hyper impressionnant parce que c'est des immenses falaises et tout. Donc là, en termes de pilotage, tout ça, il faut faire très attention. Et par contre, la dernière partie du vol est très, très sympa. Vous débouchez, vous sortez de la mer de glace, vous débouchez sur la vallée de Chamonix. Vous avez encore 1500 mètres de dénivelé sous vous, mais là, il n'y a plus de risque. Donc là, par contre, c'était magique. C'était les 15 dernières minutes du vol. On savait qu'on avait gagné parce que quand vous arrivez à ces altitudes-là, c'est des altitudes où on vole régulièrement, on connaît ses chercanes par cœur, on savait qu'il allait bien réagir, il avait retrouvé du souffle parce qu'il était tout le début du vol, il avait du mal. Hein. Il faut bien penser que pour lui, c'était pas habituel de monter à cette altitude, donc il soufflait, j'avais besoin de le garder au gant des fois pour le laisser souffler. Qu'après, dès qu'on s'est retrouvé en dessous de 2800 mètres, là c'était magique parce que on savait qu'on avait gagné le pari, on était entre les pilotes et nous, on discutait en l'air et tout ça, c'était vraiment le meilleur moment. Et j'allais dire, on n'est pas happé encore en bas par les gens qui vous attendent. Hein. Donc là, on a eu, j'allais dire, un quart d'heure vraiment de magie entre l'oiseau, les pilotes et moi. À partir du moment où j'ai fait le Mont Blanc, les gens, ils ont réellement compris qu'un oiseau pouvait partir après avoir passé 12 ans en captivité, décoller du plus haut point d'Europe, faire un vol de 50 minutes dans des conditions qui sont justes mais incroyables pour un oiseau, finir avec son fauconnier en bas. Donc tous les gens qui ont vu ces images, ils n'ont plus le même regard ensuite sur ce que je fais et sur les aigles. Alors encore une fois, je dis ça ne va pas changer la face du monde, mais si grâce à mon travail, dans 20 ou 30 ans, nos enfants, ils ont la chance de voir dans la nature des oiseaux que moi, je n'ai pas pu voir dans la nature parce qu'ils avaient disparu, bah, ça sera ma petite pierre à l'édifice et c'est ça qui m'intéresse. Ah, ma grosse. Ah, là, vous avez la trouille, hein. Ouh, mais t'es déjà là, toi. Ah bah oui. Salut Pépère. Ouh là là. Tiens, regarde, c'est pour toi ça. Donc là, nous sommes à Sciez, au Aigle du Léman, un parc animalier dédié aux rapaces que donc, j'ai créé en 1997.
parce que j'étais le rêve d'un jeune adolescent qui était passionné de rapaces. Et à partir de l'âge de 20 ans, je me suis vraiment efforcé d'ouvrir un site en Haute-Savoie, qui est un lieu vraiment magique. La Haute-Savoie, c'est d'abord un lieu de montagne, donc on a quasiment toutes les grandes espèces de rapaces qui sont là. Il n'y avait pas d'endroit où finalement on pouvait les voir en dehors de la nature, et tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans la nature découvrir ces espèces. Donc mon idée, c'était de dire, voilà, on va faire un espace dédié aux rapaces. On a commencé, on était tout petit, on avait 17 oiseaux, et au fil du temps, ben, on a agrandi pour arriver à ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu vraiment consacré à ces oiseaux. Moi, ce qui m'importait, c'était vraiment de transmettre, d'expliquer que ces oiseaux, ben, il fallait les protéger, que ces oiseaux, ils méritaient leur place dans notre environnement. Et puis, je crois que c'est un des grands enjeux des années qui viennent, c'est qu'il faut qu'on apprenne à partager l'espace avec ces oiseaux. En montagne, on le voit bien, on mange leur espace, on va de plus en plus sur les pistes de ski, sur des choses comme ça. Moi, je crois qu'il y a une vraie voie alternative. Il n'y a pas besoin de mettre la nature d'un côté, les hommes de l'autre. Il faut leur apprendre simplement à vivre ensemble. Et c'était cet outil-là que je voulais créer en faisant ce parc. Salut les gros! Ah, t'es au nid toi? Bon, tout va bien. Donc là, on est sur des aigles royaux. C'est vraiment l'oiseau à la fois qui fait fantasmer et les montagnards et les fauconniers, parce que c'est quand même le roi de nos montagnes. C'est un oiseau, moi, quand j'étais petit, qui me fascinait. On n'en voyait quasiment pas à l'époque parce que les mesures de protection n'avaient pas encore fait leur effet. Aujourd'hui, on a la chance d'en voir beaucoup, beaucoup plus souvent dans nos montagnes. Et on a voulu avoir ici au parc un couple. On espère avoir d'ailleurs des jeunes l'année prochaine. C'est vraiment un très, très bel oiseau. Donc là, c'est une espèce qui me tient particulièrement à cœur, c'est le pygargue à queue blanche. C'est le plus grand aigle d'Europe qui a disparu malheureusement de notre pays depuis 1959. Et autour de cette espèce, on a nous tout un programme pour essayer d'abord de les conserver, ensuite de les remettre dans la nature. Et en ce moment, on a surtout nombreux tournages qu'on fait avec ces aigles. On a réussi à convaincre quelques productions d'abandonner toujours le pygargue américain, qui n'est quand même pas notre aigle, pour utiliser cet aigle-là. Et vous allez voir que dans certains tournages, maintenant, on arrive à faire travailler ces aigles. On est les seuls à le faire. C'est vraiment des oiseaux magnifiques et on obtient des images avec eux qui sont incroyables. Mon idée originelle, c'était vraiment et clairement de présenter d'abord les espèces de la région, celles qu'on peut voir dans nos montagnes, les aigles royaux, les vautours, les hiboux, les choses comme ça. Et puis au fil du temps, évidemment, on s'est intéressé à la faune mondiale parce qu'on a quand même chez les rapaces des espèces extrêmement spectaculaires, telles que les condors des Andes, les aigles battleurs, les aigles américains. Donc on a vraiment élargi, mais en restant vraiment sur une base solide consacrée à la faune européenne, à nos oiseaux de nos régions. C'est bon Jean-Claude, on y va. Allez. Tu m'engotes ? Je sais pas. T'en fais pas trop. Attends, d'ailleurs, comment on va se répartir ? Maureen, elle remonte. À la limite, tu fais que les premiers bancs ? Johan, tu fais que les premiers bancs là ? Et puis Maureen, par contre, tu fais tous les bancs là-bas, toi. Donc tu fais pas que la rangée de devant, tu passes aussi derrière et tout ça. Ils ont fait l'objet de toutes les légendes. On a dit donc qu'ils enlevaient les moutons, ensuite même qu'ils enlevaient et tuaient les enfants. Ils en sont bien sûr incapables. Un aigle ne peut emmener dans ses serres que son poids, c'est-à-dire 3 kg pour les petits et jusqu'à 9 pour les plus gros. Ce qui est vrai par contre, et d'où vient la légende, c'est la puissance qu'ils ont dans les serres. Elle est incroyable, elle peut monter à 250 kg de pression au centimètre carré. Cette mesure ne vous dira rien, mais retenez l'image, elle est frappante. Ils transpercent un crâne de chamois ou un bras humain sans faire le moindre effort. Je vous rassure toutefois, nos oiseaux sont en principe un petit peu plus sympathiques. Allez, faites attention, le dernier passage est souvent le plus bas. Si jamais elle vous survole, baissez bien les têtes. Ce que j'essaye de faire ici, c'est que chaque enfant qui vient ici,
On va pas en faire des fauconniers, c'est pas le but, mais qu'au moins ils aient un rapport au rapace et à la nature qui sont un peu différents. Comme je dis, rien ne remplace la rencontre avec le vivant. Vous pouvez voir tous les animaux du monde à la télévision. Quand vous avez un aigle ou un vautour qui vous passe au-dessus de la tête, je peux vous dire que la sensation, vous l'avez à vie. Et j'ai des enfants qui sont venus ici, parce que malheureusement on commence à avoir quelques années derrière nous, qui sont venus à l'âge de 6-7 ans, qui viennent aujourd'hui faire des stages de fin d'études et qui me racontent que ce qui les a marqués, c'était le vautour qui leur est passé dessus il y a 10 ans. Alors, c'est vrai que ce sont parmi les espèces les plus menacées qu'on vous présente, les aigles pêcheurs, tout simplement à cause de la surpêche et de la pollution de l'eau. Moi, j'ai un rapport très particulier à la fauconnerie, c'est-à-dire que, soyons clairs, je ne suis pas chasseur dans l'âme, j'utilise pas mes oiseaux pour chasser, je ne fais pas de chasse avec mes oiseaux. J'utilise la fauconnerie et ce qu'apporte la fauconnerie pour faire ou de l'éducation, de la sensibilisation, pour faire ou des prises de vue un peu originales grâce à ces techniques-là, ou pour mettre au point des techniques qui me permettront un jour de les remettre dans la nature. Donc c'est vrai que j'ai un parcours qui est un peu bizarre pour la fauconnerie, parce que les vrais fauconniers disent que je fais du show business. Moi je dis simplement, j'utilise des techniques ancestrales et je les modernise pour nous apporter à la fois de l'éducation, à la fois de la sensibilisation et puis à la fois de la conservation avec certains programmes. Bon, la vente face, ça devrait logiquement voler un peu là. Doucement, Kiki, doucement. Reste calme. Pas pourquoi j'ai l'impression que l'arnais est quand même un peu tourné. Trop, mais bon. Ah, ben voilà. Là, c'est un beau panorama. Tu vois, c'est des bois. Et je pense que tu dois pouvoir laisser la voiture juste derrière les bois, qu'on la verra pas trop. Pas mal. L'idée, c'est de permettre aux gens de vivre en fait les sensations qu'a un aigle en volant. C'est-à-dire que là, on est vraiment, c'est le mythe de Niels Andersen sur les ailes de l'oiseau, quoi. On est vraiment sur l'oiseau. On va vivre avec lui exactement. On va lui voir tourner la tête. On va voir tout ce qu'il fait, le paysage qu'il voit, la vitesse à laquelle il vole. Donc ça, c'est vraiment des prises de vue uniques qui nous ont été demandées il y a déjà maintenant 4 ans. On était les premiers à mettre ça en place pour une chaîne anglaise. Et c'est vrai que les résultats sont assez incroyables. Donc depuis, on s'est un peu spécialisé dans ces prises de vue-là. Alors, qui nécessitent deux choses. La première, c'est d'avoir des oiseaux qui sont capables de voler dans des environnements. Vous voyez, là, on est au-dessus du lac, on a 1000 mètres de dénivelé sous nous. C'est-à-dire que cet oiseau, s'il avait envie, là, il pourrait partir et faire 30 km sans faire un mouvement d'aile. Donc, il faut avoir un dressage pour ces oiseaux qui leur permettent d'évoluer vraiment en montagne ou dans des environnements un petit peu particuliers. Voilà, il va se recaler automatiquement. Parfait. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, ils acceptent de voler avec une caméra sur le dos parce qu'on détruit, entre guillemets, ce qu'on appelle le profil. C'est-à-dire que l'oiseau le sent, c'est un peu comme si vous, sur votre voiture, vous mettiez une machine à laver. Donc, ça perturbe son vol. Donc, il faut qu'il ait l'habitude aussi de voler avec ces caméras-là et de garder quand même un vol qui ressemble à un vol, quoi. On est bon, là, Johan? Quand j'ai commencé dans ce métier, c'était des choses assez basiques. On nous demandait de faire venir un oiseau face à la caméra, on nous demandait de le laisser assis quelque part ou installé quelque part, et puis on le filmait. Quand ils ont commencé à voir qu'effectivement on arrivait à faire vraiment des vrais vols avec les oiseaux, en utilisant des parapentes, en utilisant des avions ou des hélicoptères, là les chaînes de télévision, notamment internationales, sont intéressées à nous en nous demandant « mais est-ce que vous seriez capable de faire ces images-là avec une caméra sur le dos de l'oiseau ?» Donc ça nous a intéressé comme projet, et on s'est lancé dedans pendant plus d'un an et demi avec une coproduction anglaise et américaine. On a fait une très belle série de 6 documentaires où on a fait voler nos oiseaux sur les plus beaux endroits du monde avec des caméras sur le dos. Et on a obtenu ainsi vraiment un résultat qui était assez surprenant. Donc là, on est en tournage la semaine prochaine pour une chaîne française qui a une demande un peu particulière, parce que pour une fois, c'est pas du documentaire animalier. L'objectif, c'est de faire découvrir aux Français des beaux paysages de France, et l'aigle va nous servir de fil rouge, c'est lui qui va nous entraîner d'un endroit à l'autre. Et reste éveillé avec nous, toi, pour faire cette série. Par contre, la difficulté, évidemment, c'est qu'il faut s'entraîner. Donc là, on est en train de faire nos réglages de harnais, de choses comme ça. Demain, on va être au Mont-en-Vert, donc juste au-dessus de la mer de glace. Et l'objectif, ça sera de faire des images de la mer de glace. Donc on a pris une topographie qui s'y reflète un petit peu. Là, on a 250 mètres de dénivelé. Et on va demander à l'oiseau donc, de redescendre un peu, comme il aura à le faire au Mont-en-Vert. Donc voilà, c'est une répétition sans la neige et sans les glaces. Mais pour l'oiseau, il n'y aura pas une grande différence, en fait. Merci. Ok. Donc là, tu dis que j'ai des chaperons.
Ah, dis-lui d'appeler, dis-lui d'appeler. Appelle. Fort, il tente. Qui nous tient au courant d'où il est. Il est sous l'arbre là. Il est juste là, il est dessous, je le vois moi. Dis-lui de continuer à appeler. Voilà. Qu'il se décale un peu dans le champ. Décale-toi un peu dans le champ. Tu vois, tu m'entends ? Ah, il est parti l'oiseau, c'est bon, il l'a repéré. Voilà, super. Parfait. Super, tu vas avoir un plan magnifique là. Allez. Voilà, magnifique, magnifique. Bien, mon gros. Tu devrais avoir un joli plan parce que là il est revenu, il a fait le tour, il s'est posé dans l'arbre, puis après il a bien foncé, tu vas avoir des belles images. Là, il est très très vite en plus dans les sapins, tu vois, on va aller regarder ce que ça donne. Mais là ça va être sympa, je pense. J'espère que le calage sera bon, mais sinon c'est bon. Allez. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est joli, hein. Tu vois quand même le lac Léman et tout, t'as un panorama là qui est chouette. Hein. Moi j'adore quand il est au-dessus de la forêt comme ça. Regarde le panorama, tout le lac, t'as ton nom des mains derrière. Ouais, il est trop haut. Ton calage est trop haut. Ouais, non, dommage. Ça c'est joli. Mais bon, tu vois, on manque toute sa partie du dos qui est là, quoi. Donc là, il faut absolument qu'on change. On a vraiment un calage tête là, hein, pour le coup. Là, tu vois, c'est bien, on ne le voit pas dans le champ. Ça, c'est vachement bien parce que Johan, voilà, pour pas nous, la difficulté dans notre travail, c'est que celui qui appelle l'oiseau n'entre pas dans le champ. C'est-à-dire que sinon, on pourrit. Voilà, là, on ne peut plus utiliser ce plan parce qu'on voit Johan qui apparaît. Donc, il faut arriver à chaque fois à appeler l'oiseau et à se cacher, ce qui n'est jamais évident d'appeler un oiseau qui ne vous voit pas. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, tu vois, il ne bouge pas. Toi, la caméra est super stable. Là, poum, il commence à flapper, enfin, à bouger les ailes. Là, tu vois que ça bouge. Mais sinon, quand il bat pas des ailes, maintenant, on arrive à avoir un truc qui est meilleur, impeccable. Il y a un an et demi, on aurait fait un truc comme ça. On était fou de joie parce que c'est toi, l'image, elle ne bouge pas. Hein. Elle est calée. Toi, tu n'as pas de vibration, tu n'as pas de machin. C'est magnifique. Maintenant, pour nous, il manque tout l'aspect du travail de ce qu'on appelle l'avant-aile, qu'on arrive maintenant à avoir grâce à ces caméras, ce qu'on appelle des fisheyes, qui ouvrent complètement très large. Donc, on peut avoir à la fois le travail de la tête et à la fois le travail des ailes. Et là, notre calage, tu vois, puisque c'est une nouvelle fois qu'on utilise une nouvelle plaque, c'est un petit peu haut, ça se joue à 3 mm. Hein. Donc, c'est joli, mais par contre, voilà, on manque une partie du travail de l'oiseau. Et pour ce qu'on a à faire, en tous les cas, pour la semaine prochaine, pour nous, ce n'est pas d'une qualité suffisante. Donc là, il faut qu'on retravaille un peu notre calage de caméra. C'est ce que je te disais. Toi, il n'y a pas besoin de marcher longtemps et t'as des panoramas qui sont. Qui sont top, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Faut grand angle ici. Bah là, c'est. Attends, la verte, les douves, les grands floras, les aiguilles de. Le charme, c'est pas vilain, quoi, je veux dire. Ah, c'est super beau, là. Là, comme il va être en légère plongée. Magnifique, en plus pour la caméra c'est top, c'est chiant à monter. Mais là tu le mets là, tu mets ta caméra là-bas. Là regarde, c'est plat là. Hein. Ouais, c'est plat. Ouais, super, t'as plat, tu peux mettre ta caméra là. Non, j'adore ce point de vue là.
Pour qu'on s'entende bien, Jacques, ouais. Toi, tu vas mettre pour Patrice. Oui. Parce qu'il y a deux trucs, c'est si tu mets l'aigle là et qu'il se met là, il a la mer de glace et puis les grandes jorasses. Par contre, s'il veut l'envers des aiguilles, il faut mettre l'aigle sur le caillou où il y a le caméraman. Et puis que nous, ils se mettent par là. Quoi. Ce que je propose, c'est qu'on commence par le plan simple là, pour qu'elle se, qu'elle se détende. On aurait dû faire la couleuvre en même temps. Hé, hey, du calme. Face à la couleuvre, du calme. Ah. Chut. Doucement. 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 Allez, top. Allez, top. L'aigle dans ce documentaire, c'est le fil conducteur. Enfin, dans cette série de documentaires, c'est le fil conducteur. Avec l'aigle, on est dans le macrocosme. En fin de compte, on est dans le grand décor, les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, les Calanques. Et on va trouver des animaux qui font partie du microcosme, en fin de compte. Et donc, on fait des très gros plans. Après, on a la couleuvre de Montpellier, on a des scorpions, un combat de scorpions, des choses de genre. Parce que c'est vrai que dans les Alpes, sinon, traditionnellement, c'est les bouquetins, les chamois, mais tout le monde a vu ça. Alors que là, on va effectivement dans le très petit, à partir de ces grands décors. Et l'aigle, c'est l'aigle qui est le vecteur. Tu l'appelles, essaie de plier un tout petit peu tes genoux. Ouais. Voilà, parfait, comme ça on ne voit pas dans le champ du tout. Essaie de te mettre un tout petit poil plus bas. Tu peux y aller quand tu veux. Ça tourne, vas-y, appelle. L'aigle, il passe des plombes à attendre, les calages de caméra et tout ça. Donc il faut qu'on ait des oiseaux qui... parce qu'on n'a pas de jet, on n'a rien, on les travaille en liberté totale, quoi. Donc il faut qu'on ait des oiseaux qui soient vraiment aux ordres, qui soient capables de rester un quart d'heure à un endroit sans bouger. Et puis d'un seul coup, de se mettre au boulot, de faire exactement ce qu'on leur dit. C'est ça le plus dur, c'est pour l'animal, c'est difficile de le concentrer sur des longues périodes. Allez, reviens. Bon, je te la mets sur le rocher. Ouais. Et même... Avant de le faire décoller, je vais le prendre un peu large. Hein. Oui, bah tu me dis, bouge pas, hein, tu fais rien pour l'instant. Attends, ouais, très bien. Tu m'as pris confiance, hein, c'est bon. Bon, désolé, il commence à en avoir marre du jeu. C'était le court, mais c'était le plus beau. Ça me fait plaisir ce que tu viens de me dire. Tu peux pas savoir. C'est bon, parce que je te vois heureux. Ouais. Maintenant, il voudra faire que des vols courts. C'est un bonheur de vivre ces moments-là, dans ces environnements-là, avec ces animaux-là, d'arriver, je dirais, à une telle complicité, et qui permet en plus de faire découvrir aux gens ces paysages et ces animaux. Et ça, je trouve que, voilà, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau dans mon métier. C'est vraiment ce qui fait que j'ai envie de me lever tous les matins et de le faire. Quoi. Ben là, tu peux te secouer, maintenant c'est fait. Hein. Le mal est fait, mon gros. Chut, Nelson, donne-lui deux mots. Avant qu'il déchaperonne, tu lui mets en route la GoPro. Hein, tu peux y aller, il va rien faire, l'oiseau, il est chaperonné là. Okay. Donc tu mets en route, tu machines. D'accord. Bon, là, tu vois le premier shot. Je peux le faire d'ici. Il me voit. Bon, ça va pour toi, là, pour l'instant? Ouais, ça va toujours. Ok. Je pense qu'on va prendre le risque, quand même. Ok, Franck, on va y aller. Très bien. Hop! Hop! Hop!
Tu le vois, Franck? On l'a perdu derrière le sapin en direction de l'hôtel. Ouais, j'ai cru que c'était posé sur l'hôtel, mais je le vois pas. Ok, on va voir là-bas, on va avoir un shoot formidable si on le récupère. Super Muriel, beau travail. Non mais c'est bien, tant que tu me le bloques, c'est tout bon. Moi. C'est bien mon pépère. Tu m'as fait un beau truc là. Il a tourné là-bas sur la mer de glace et tout. Alors là, tu peux ranger. C'est pas que je veux pas te... On y va? Allez, go. Attends, il faut que j'enlève ma GoPro. Il faudrait me descendre la caisse, Franck, la petite caisse de Nelson, le plus vite possible sur le chemin juste en dessous. Okay. Merci beaucoup. Ben, vous avez vu, c'est physique en montagne. Hein. Là, c'est vraiment de la montagne. On fait du dénivelé dans la journée. Par contre, on a vraiment, sur le premier vol, on a des très très belles images. Là, je pense que la vitesse avec dans les sapins et tout va être assez sympa. Mais voilà, on a vu aussi qu'il y avait un mec tout à l'heure qui voulait pas travailler, c'est jamais assuré, hein. On est à 2500 mètres, ça part vite, ça peut vite prendre la poudre d'escampette, mais là ouais c'est sympa, enfin moi j'adore faire ce genre de truc. Je ne le proposerai plus le montant vert en tournage. Pas mal, quand il vire là, merde, il y a un parking en dessous, mais bon c'est pas grave, ah, bon, on est là sur l'hôtel. C'est pas ma pas merde. Oh, il est sur le chemin de fer. Il suit la ligne de chemin de fer, second. C'est vrai que quand on a la tête de l'aigle parfaitement calée dans le centre, pas trop, et qu'on voit tout le décor qui défile, maintenant, faut pas que l'aigle batte des ailes, parce que sinon, ça fait un plan qui n'est pas regardable. Je crois que les gens auraient envie de vomir au bout de quelques secondes. Mais quand il est en train de planer, c'est vraiment magnifique. C'est clair que ça vaut largement tous les plans d'hélicoptère en Cineflex. Ah, c'est joli, là, avec Ah, quand il tourne sur la mer de glace, oh, c'est... Attends. Ah. Attends, mais enfin... Hey, vous êtes difficile les gars, t'as les grandes jorasses, t'as la mer de glace, t'as tout là, y'a pas un mec mais sur le terrain. Si on n'est pas difficile, sinon on fait pas de télévision, sinon après on fait. Là, il bat un peu les ailes, c'est que quand il passe au-dessus, après il bat plus, oh là là. Ouais, non, bon après, ouais, c'est vrai que dès qu'il tourne, c'est mort le plan parce que tu vois les installations, mais là t'as 15-17 secondes, ils sont superbes. Moi, je regarde plus du tout la montagne comme avant. Aujourd'hui, je dirais que quand je regarde un paysage de montagne, je dirais presque intuitivement, je me dis, ah ben tiens, là, le vent, il tape là-bas, ça doit monter là-bas, tiens, là, on peut faire la transition. C'est vrai qu'on regarde finalement la montagne comme un espèce de terrain de jeu pour se déplacer. Qu'avant, j'étais plutôt à regarder la montagne en me disant, mon Dieu, ça va être loin là-bas, il va falloir marcher je sais pas combien d'heures et tout ça. Qu'aujourd'hui, on essaie d'analyser plutôt ce terrain de jeu et de se dire, bah tiens, on va passer par là, on va aller par là, l'oiseau, il va pouvoir faire ça. Et c'est vrai que c'est, intellectuellement, c'est quelque chose de très, c'est un jeu assez grisant. Je trouve que se déplacer en montagne par l'intermédiaire du vol, c'est vraiment une belle manière de découvrir la montagne.